Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 25 février 2024, il est 17h et j'ouvre la huitième visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est la planète Vénus. Les informations que je partage avec vous sont de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles terrestres, au point que beaucoup considèrent qu'il s'agit de science-fiction. Mais sachez qu'elles m'ont été confiées en l'état. Je les ai enregistrées noir sur blanc, par écrit et en audio, notamment avec Zen, mon principal contact, dans une série de travaux que nous avons menés ensemble depuis le mois de février 2017, même si j'ai été en contact avec lui plusieurs mois auparavant. Je lui ai demandé de m'informer sur les conseils qui siègent au sein de la Fédération Galactique, ce qu'il fit avec plaisir. Nous y avons travaillé pendant des mois. Le Haut Conseil de Vénus, aussi dénommé le Conseil d'Aven, Haven, occupait le siège numéro 7 de la Fédération Galactique. Vénus est la planète jumelle de la Terre. C'est une planète recouverte d'eau qui est tombée de la planète Tiamat, qui s'est désintégrée à la suite de guerres interstellaires entre deux factions rivales. D'un côté, il y avait des groupes d'alliés rassemblés en Fédération Galactique, et de l'autre, un groupe de colonisateurs originaires de l'Empire d'Orion. Lors de ces guerres, les ondes de choc des armes plasmiques ont créé un déplacement des planètes dans notre système solaire et la désintégration de la planète Tiamat. Tiamat était une grande planète d'eau qui faisait 80% de la taille de Neptune et qui orbitait entre Mars et Jupiter. Après sa désintégration, les morceaux composent actuellement la ceinture d'astéroïdes. L'eau des océans de Tiamat s'est dispersée dans notre système solaire à l'état liquide, attirée par le Soleil, Vénus et la Terre, où elle est tombée du ciel pendant un mois et demi sous forme de pluies abondantes et ininterrompues, des inondations, ce que l'on a appelé sur Terre un déluge. Contrairement aux descriptions que l'on en fait sur Terre, Vénus n'est pas du tout une planète brûlante d'acide sulfurique. Mes contacts extraterrestres m'ont affirmé que c'est une planète d'eau qui est recouverte d'océans et de nombreuses îles de toute taille. Il n'y a pas de grand continent. Et pourquoi y a-t-il autant d'îles? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'eau qui a laissé apparaître simplement le haut des montagnes ou les terres les plus élevées. C'est une planète en 5D, donc en 50 Hz, avec un climat tropical comme les îles du Pacifique sur Terre, avec des palmiers et une eau bleue transparente. Son climat et son atmosphère sont plus stables et plus doux que sur Terre. C'est un havre de paix pour la faune, la flore et pour les contrôleurs humains terriens qui y vivent actuellement. Les contrôleurs terriens ont complètement dominé Vénus, qui est sous leur contrôle. Chaque pays sur Terre se partage des territoires et a pris possession d'une île pour en faire des colonies, en leur donnant des noms comme par exemple Nouvelle-Floride, Nouvelle-Afrique, Nouvelle-Kamtchatka, Nouvelle-Cassini, Nouveau-Québec. Vénus est la seconde planète de villégiature
pour les hautes élites terrestres, et les contrôleurs de la Terre font des allers-retours entre les deux planètes ou s'y installent définitivement. Surtout s'ils ont besoin de se cacher. En empruntant des vaisseaux diplomatiques terriens qui appartiennent aux Agartiens qui vivent dans l'intra-terre ou aux Draconiens qui vivent dans des bases souterraines, les Vénusiens viennent sur Terre dans des stations balnéaires françaises comme Saint-Tropez, Cannes ou Nice parce qu'elles ressemblent aux leurs. Je présenterai les deux conseils qui avaient le siège 7, le conseil vénusien, et le siège 8, le conseil agartien, respectivement les 25 août et 1er septembre 2024, ici sur Zoom. Vous aurez alors tous les détails sur ces deux sociétés. Les plages vénusiennes sont magnifiques, avec des installations futuristes, gérées par intelligence artificielle. Dans les baies, on peut apercevoir des yachts et des méga-yachts dans une ambiance au luxe raffiné. Ces yachts sont de véritables palaces flottants qui possèdent souvent une plateforme pour recevoir un hélicoptère, un terrain de basket, une salle de sport, une piscine, un studio d'enregistrement, un cinéma, un spa, etc. Vénus est une colonie de la cabale terrestre. À l'heure actuelle, les deux seules planètes encore sous contrôle régressif sont Vénus et la Terre, puisque les contrôleurs sont les mêmes que sur Terre. Ils évoluent et colonisent l'espace comme ils l'ont toujours fait, de manière systématique, en se mouvant d'une planète à une autre. Ils volent vers Vénus en utilisant des salles de saut ou des portails. Il existe des vaisseaux d'ambassade qui transportent à la fois des terriens vers Vénus et au retour des Vénusiens vers la Terre. Ces derniers s'installent dans des stations balnéaires ou des lieux de villégiature. Comme les Vénusiens ressemblent à des terriens, ils portent des jeans et des t-shirts et ils passent inaperçus sur les plages de la Méditerranée. La Fédération Galactique a une biosphère et des vaisseaux stationnés en haute orbite vénusienne et ils vont et viennent d'une planète à l'autre. La société vénusienne est une combinaison de différentes races et cultures essentiellement terrienne, établie en une confédération de colonies. Les Vénusiens d'origine, les natifs, c'est-à-dire les Lyriens qui s'étaient installés sur Vénus au départ, sont devenus des émigrés sur leur propre planète et vivent dans des conditions déplorables et dans la pauvreté. Vénus est dirigée au niveau planétaire par un conseil agissant en coordination avec la Fédération Galactique à bord d'un vaisseau-mère en orbite autour de Vénus. À l'origine, le conseil Avenit, H-A-V-E-N-I-T-E, est une organisation planétaire qui réunit de nombreux États-nations et diverses colonies de la planète Vénus. Suite à la signature du traité de Vénus, et la création du Conseil de Vénus aux Nations Unies sur Terre, ce premier conseil vénusien a évolué vers une organisation à l'échelle planétaire qui exprime la coopération entre les colons et promeut l'indépendance vénusienne de la domination terrienne. Le Conseil de Vénus aux Nations Unies ici sur Terre. Également connu simplement sous le nom de Conseil de Vénus, est un organe de l'ONU qui est chargé de maintenir la paix et d'assurer le bien-être du peuple et la vie native de la planète Vénus. Le Conseil de Vénus a été créé dans le cadre du traité de Vénus en l'an 2000, devenant ainsi le premier nouvel organe créé au sein de l'ONU
depuis sa création. En raison des distances interplanétaires impliquées, le Conseil de Vénus fonctionne souvent comme une organisation distincte ici sur Terre. Le Conseil de Vénus aux Nations Unies cumule les mêmes fonctions que les autres organes principaux, comme le Conseil économique et social, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice, le Secrétariat et Conseil de sécurité, mais ces fonctions ne sont utilisées que dans le contexte des lois appliquées à Vénus et se concentrent sur des questions qui concernent la relation entre la Terre et Vénus. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Vous pouvez poser vos questions